Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième épisode de notre série sur les vices cachés dans l'immobilier au Québec. Dans notre épisode précédent, nous avons défini ce qui était un vice caché et avons mis en évidence son importance dans le domaine de l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons approfondir comment identifier ces vices cachés. Votre meilleure défense contre les vices cachés, là, c'est une bonne inspection pré-achat. Vous devez vous assurer de travailler avec un inspecteur qualifié qui sait exactement ce qu'il cherche et comment le chercher. Les inspecteurs sont formés là, pour repérer des problèmes comme des défauts de structure, de la moisissure, des problèmes de plomberie ou d'électricité. Mais même la meilleure inspection ne garantit pas toujours que vous allez trouver tous les vices. Car par définition, ils sont cachés et ne peuvent pas être vus à l'œil nu lors d'une inspection ordinaire. Voici quelques signes communs de vices cachés. Dans les problèmes de structure, on voit les fissures dans les murs, les planchers qui ne sont pas égales, les portes qui ferment mal, et ça peut vous indiquer un problème de structure ou de fondation. Les moisissures. Si vous remarquez une odeur de moisi, des taches d'humidité sur les murs ou les plafonds, ça peut indiquer la présence de moisissures. C'est pas seulement un problème de santé, mais ça peut aussi signifier qu'il y a un problème d'humidité ou de ventilation. Pour les problèmes de plomberie, on remarque la faible pression de l'eau, les tuyaux qui fuient ou les tuyaux rouillés qui peuvent indiquer un problème de plomberie. Les problèmes d'égout peuvent également être considérés comme des vices cachés. Pour les problèmes électriques, les fusibles ou les disjoncteurs qui sautent fréquemment, les prises électriques qui sont chaudes au toucher ou les lumières qui clignotent peuvent indiquer des problèmes électriques. Parfois, on retrouve aussi des infestations de fourmis charpentières, de rongeurs ou d'autres parasites peuvent être des signes d'infestation, ce qui peut causer des problèmes graves et des dommages à la propriété. Des problèmes de toiture, on voit le toit qui fuit, des bardeaux qui sont endommagés. Ça peut être le signe d'un vice, d'un problème de toiture. Les problèmes peuvent entraîner des dommages structurels majeurs s'ils ne sont pas réglés ou traités. Il est important de noter que ces signes ne sont pas nécessairement des preuves de vice caché, mais ils peuvent indiquer la présence de problèmes potentiels. Lorsque vous remarquez ces signes, il est recommandé de faire appel à des experts, à des spécialistes pour effectuer une évaluation plus approfondie. Rappelez-vous là, qu'un vice peut diminuer la valeur de la propriété ou la rendre inutilisable. Il est donc essentiel de faire preuve de diligence raisonnable lors de l'achat de votre propriété. Pour rester à jour sur les tendances et les sujets comme celui-ci, abonnez-vous à notre chaîne pour des conseils et des astuces sur l'immobilier. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode où je vous expliquerai ce que vous devriez faire si vous découvrez un vice caché. Je vous dis merci et on se revoit pour le prochain épisode.